Pour Jane Evelyn Atwood, la photographie est un engagement. Elle s'est toujours confrontée aux sujets complexes, la prostitution, les malades du sida ou les femmes en prison. À l'écoute, en prenant son temps, la photographe franco-américaine approche ces sujets avec délicatesse et empathie. À l'image de cette série sur les enfants aveugles à travers la planète, elle tente de rentrer dans leur monde. C'est vrai que j'étais toujours attirée par les gens et les gens qui sont dans une certaine détresse, je dirais comme ça. En France, ils aiment bien dire que j'ai photographié des marginaux. J'aime pas trop cette expression, mais c'est sûr que ce sont des gens qui sont à part de nous pour quoi que soit la raison. À Paris, dans les années 70, elle s'intéresse d'abord aux prostituées de la rue des Lombards, puis plus généralement à Pigalle, et à ce milieu qui la fascine et dans lequel elle va s'immerger pour en tirer des portraits justes et sensibles. D'abord, je les ai trouvées remarquables avec leur costume, la façon qu'elles se déguisaient au fait en femmes. Parce qu'il faut comprendre qu'à l'époque, en 79, les hommes qui s'habillaient en femmes, il y en avait qui étaient des vrais trans, mais il y en avait d'autres qui faisaient ça pour pouvoir gagner leur vie. La seule façon de gagner leur vie, c'était de faire le tapin. Elle a cette pudeur sur la question de Pigalle, par exemple. C'est presque un carnet de voyage. C'est un reportage. C'est très modeste. Le piège, c'était le voyeurisme. Oui. Elle a évité ça. Jane Evelyn Atwood travaille à l'ancienne en argentique, aimantée encore et toujours par le mystère de la révélation des photos, une œuvre importante à découvrir au Parvis, à Pau.